C'est un fichier qui avait été mis en place après les attentats de 2015. Une base de données rassemblant des informations sur les patients et leurs blessures. Selon les signataires de cette tribune, depuis 5 mois, elle serait détournée par l'administration hospitalière pour ficher les manifestants gilets jaunes. C'est un fichier à visée médicale et là qui est détourné puisque c'est du fichage de manifestants qui sont venus à l'hôpital ayant besoin de soins. Donc ce qui pose un problème puisque un patient a le droit d'être soigné à l'hôpital, y compris en refusant de décliner son identité. Le risque, que ces informations fuitent et permettent de classer les patients selon leur appartenance politique ou sociale. Nous, médecins, faisons face à une injonction irréalisable au regard de notre éthique et de notre déontologie. La violation du secret professionnel au détriment des malades et ce, en dehors de toute dérogation légale. Ces médecins parlent d'un devoir de désobéissance éthique en refusant ce fichage. Ils demandent également l'ouverture d'une enquête parlementaire.